Eh bien bonjour à tous, c'est Antoine et on se retrouve aujourd'hui pour un premier épisode de Prison Architect après le faux départ qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, enfin si, il y a un moment maintenant, il y a quelques mois. On répond au PDG. Alors c'est juste pour la petite intro, donc voilà, je vous passe l'intro de Prison Architect pour un premier épisode. Ça on va dire c'est un petit peu une introduction. C'est un cas particulier. Il y a un détenu incarcéré dans ce complexe qui a été jugé coupable d'un double homicide et condamné à mort. C'est là que nous intervenons. Nous sommes chargés de construire une salle d'exécution à temps pour cet homme. C'est ici que je veux ce nouveau bâtiment. La première étape avec un tel projet est de construire des fondations assez grandes afin d'y placer une salle d'exécution et une cellule. Très bon, bah il va tout nous dire si... Hop. Alors, Prison Architect, pour ceux qui n'auraient pas vu les épisodes ratés du début, parce que bon, ouais, mon jeu a eu des gros soucis, j'ai fait mon ordinateur plutôt a eu des gros soucis. Voilà, j'ai pas pu vous continuer cette série, mais là, en attendant que SimCity revienne à la rentrée, donc 2014, je vous propose un petit let's play sur Prison Architect. Et là, je commence le premier épisode par l'introduction qui nous est proposée. Alors c'est pas grand chose, hein, mais bon, c'est vraiment pour le fun en fait. Voilà. On va faire ça. On va mettre en vitesse un peu plus rapide. Ça fait un moment que j'y ai pas joué, hein, je vous préviens. Hop, appel entrant du PDG. Par contre, il faut que j'enlève ça. Voilà. Que se passe-t-il? Les ouvriers se chargent, hein? Oui, ils vont récupérer l'acier et le béton depuis ce stock. Ils vont utiliser les matériaux de base pour monter les fondations. C'est la partie la plus lente de construction, donc n'hésitez pas à prévoir l'agencement avant de commencer. Pendant ce temps, faisons un tour, utiliser ZQSD et GOGG, hein? Ok. Voilà, blablabla. J'arrive à tout faire. Donc on va attendre en accéléré que tout ça se construise. En tout cas, apparemment, cette série était très attendue parce que le peu que j'ai vu... Hop, fourniture. Alors là, on va mettre une grande porte de prison comme il nous est demandé. Alors pourquoi ça nous le demande là, je ne sais pas. Ça, c'est bizarre. Je crois qu'on s'est un peu loupé là. Bon, écoutez, je pense que ça devrait passer. À mon avis, ça devrait passer. J'espère en tout cas. Voilà. Sinon, on va faire un truc. Ça, il n'a pas l'air d'accepter. On va faire mur en béton, mur en béton. On va faire dismount, dismantle. Et on va la mettre, c'est où? Grande porte, c'est là. On va mettre là. Comment c'est loupé? J'ai fait un peu trop grand. Voilà. À l'intérieur du bâtiment, j'aurais essayé une salle d'exécution, blablabla. Ok, parfait. Bon, ouais, j'ai vraiment fait trop grand, je sais pas ce qui m'a pris. Hop. On va faire tout ça en mur de briques. Brick wall. Parfait. Ensuite, j'imagine que là, on va devoir mettre de toute façon une grande porte. Non, on va attendre. On va attendre qu'ils nous disent tout ça. Hop, on va attendre que tout ça se construise. Mince, je crois que j'en ai oublié. Voilà. Normalement, c'est bon. Allez, on va attendre que tout ça se construise, tranquillou. Allez. Donc moi j'adore ce jeu parce que c'est vraiment il a vraiment un style graphique très sympa. Et voilà, je trouve ça assez kiffant. Voilà, qu'est-ce qu'il va, il va nous rappeler? Voilà, installer deux grandes portes de prison. Hop, ok, je peux faire tourner l'objet avec la molette. Hop, tac, tac. Voilà, on est pas mal. Maintenant qu'il les pose. Je suis ravi de pouvoir vous proposer ce let's play en tout cas parce que c'est vraiment un jeu. On va partir un petit peu dans l'univers des jeux indépendants. Qui est plutôt assez on va dire obsolète à côté des autres. Oh non, non, fini de ces lieux. Ok. Donc hop, maintenant on définit les salles.
C'est, je fais cette petite introduction pour que vous puissiez comprendre également bien comment ça marche. Voilà. Tac. Non, pas cellule. Alors il y a des petits bugs de traduction, j'ai mis le jeu en français, hein, ne vous inquiétez pas. Nécessite un lit EVC, oui. Voilà. Donc pour valider les pièces, il faut donc un certain nombre d'équipements. Hop. Voilà. Et là on va mettre électrique chair. Chaise électrique. Voilà. Accélérer un petit peu le temps. Allez, allez. Ça m'a l'air d'être bon. Ah non, pas encore. Hop. Et hop. Voilà. Ouais, pour l'essentiel, il y a tout de même quelques... Ok. Une fenêtre, une petite bibliothèque. Ok, on s'en fout. Ouais. Ouais. Mais on doit pas le faire quand même. Non, c'est bon. Doit être notre condamné. Voilà. Un simple professeur autrefois. Ce n'est pas à nous de décider s'il mérite sa peine. La justice a rendu sa décision. Nous avons un travail à faire. Une fois satisfait du bâtiment, vous pouvez initier le transfert du détenu dans sa nouvelle cellule. Cliquez simplement sur lui pour le sélectionner, puis faites un clic droit juste en dehors de sa cellule pour commencer. Tac, tac. Qu'est-ce qu'ils veulent? Non, on s'en fout de ça. Chef de la sécurité, hop. Ne versez pas une larme pour ce mec, c'est un tueur de sang-froid, jugé coupable. Il a même avoué, vous voulez entendre ce qu'il a fait? C'est sanglant, il était environ 21 h, les lumières étaient déjà allumées, je savais qu'elle était à la maison. Ah, on devrait avoir une petite histoire, à mon avis. Je laisse découvrir ça tranquillement. Il a chopé sa femme avec un autre mec. C'est pas très compliqué. Du coup, il va le buter. Je savais que je vous surprendrais ici. Ferme-la, ferme-la. Qu'allez-vous faire? Eh ben, il va nous foutre. Voilà. C'est bon. Ah bah, il a buté sa nana aussi. B. Bon, vous voyez pourquoi il est condamné, n'est-ce pas? Pas très compliqué. Voilà. Clair comme le jour, si vous voulez mon avis, il mérite chaque volt qu'il recevra. Oui, parce qu'il va passer la chaise électrique. Chaque homme mérite le pardon, même lui. Êtes-vous si sûr de vous de vous pour porter... Ah oui, pour porter un pareil jugement. Ok, j'ai pas compris. Surprendre sa femme avec un autre homme n'est pas une excuse pour ce qu'il a fait. Il est entré avec une arme chargée, sachant qu'il allait les trouver ensemble. C'est un double homicide prémédité. Il n'a rien fait sinon de coopérer avec les autorités. Cet état veut en faire un exemple. S'il avait commis son crime 160 km plus loin au nord, il aurait copé de la prison à... Il aurait copé que de la prison à vie à la place de la peine de mort. C'est ça la justice. Vous voulez qu'un homme comme lui puisse circuler librement? Je dormirai sur mes deux oreilles ce soir en sachant qu'il est mort. Pas très cool le chef de la police. Hein. Tac. Mon travail jusqu'à présent. Oh, petit bug de son. Cependant, il y a un problème, la salle d'exécution ne fonctionne pas encore, car elle n'a pas de courant. Nous devons la raccorder au réseau électrique. Parfait, voilà. Il y a une gestion aussi du réseau électrique et du réseau des eaux.
Voilà. Voyez, là, ce n'est pas alimenté. Le courant est trop loin. Ok, c'est parti. Ça sert aussi pas mal de tuto, ce petit début. Ça vous aidera à comprendre par la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Hop. Non, on va plutôt faire ça comme ça. Tac. Voilà, parfait. Et on va même devoir mettre un peu d'eau, j'imagine. Pour le moment, on ne peut pas. Il faut attendre la fin du tuto. Donc, on va laisser passer le temps. On va attendre qu'ils installent tout cela. En tout cas, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce jeu? Voilà, c'est un bon jeu de gestion pour ceux qui aiment SimCity. Voilà, c'est la petite série de l'été, on va dire. On va dire ça comme ça. J'espère que ça vous plaira. Moi, ça fait un moment que j'ai pas joué, je vous avoue. J'ai eu ma période Prison Architect où je faisais vraiment que ça. Et bon, là, une période aussi où j'étais un peu condamné parce que bah, il ne marchait plus. Donc voilà. PDG appel entrant. Du coup voilà. Ça, là il manque plus qu'un truc et elle sera accordée. Voilà, normalement, ça devrait arriver assez vite. Voilà, c'est bon. Hop. Nous avons presque fini, je pense que nous devrions tester la salle d'exécution. Voilà. Je t'ai mis pendant quelques secondes, m'assurer que tout fonctionne. Alors je pense à mon avis qu'il faudra rajouter des batteries. Et voilà. Toute la prison, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a une limite, le nombre de batteries qui sont accumulées sur le côté. Il faut allumer le condensateur en cliquant dessus dans la vue des services. Seconde étape, il faut allumer la station électrique en cliquant dessus aussi. Alors, tac. Voilà, donc en gros, on va rajouter des condensateurs. Mince, hop. Tous en rajouter plusieurs. Du coup, il faut les rallumer un par un. Et ça, je vous dis là, quand vous n'avez plus d'électricité dans votre prison, ça peut très très vite tourner mal. Hop, on va faire passer un peu le temps qu'ils amènent les condensateurs avant de rallumer la station électrique, parce que sinon, ça va péter, ça va sauter. C'est pas bien compliqué. Bon, alors ils les amènent ces condensateurs? Ouais. Voilà. Switch on. Normalement c'est bon. Pour tester la chaise électrique, switch on. Normalement ça marche. Voilà. Alors appel entrant. Bien joué. Je pense que nous en avons fini avec ce travail. Ce qui va se passer. Nous sommes restés professionnels. C'est ce qui compte pour notre affaire. Essayez de ne pas vous soucier de ce qui va se passer ensuite. Voilà, bon, bah, le mec il va se faire exécuter. Hein. Vous l'avez tous compris. Était pas trop et contre la peine de mort. En même temps, on est aux États-Unis, hein. On est aux États-Unis. Puis-je vous aider? Apparemment non. Il veut le conf. Ouais, je sais pas ce qu'il veut lui faire. Cherchez-vous le pardon, je ne sais pas, je dois faire quelque chose, je ne peux plus vivre avec ça. Vous devrez lâcher prise, soit que vous ayez fait, vous ne pouvez échapper aux conséquences. Vous ne pourrez vivre avec vous-même que lorsque vous ferez face à votre passé. J'aimerais retourner en arrière, j'aimerais la pardonner, j'aimerais qu'elle me pardonne. Je vous pardonnerai quoi que vous ayez fait si vous le lui demandez. Mais vous devez répondre à vos crimes devant la justice, c'est le seul moyen. Il est temps, Edouard.
Vous avez fait le bon choix, même si ce monde n'est pas prêt à vous pardonner. Vous serez auprès de Dieu bientôt et il portera son jugement. Je croyais que le prêtre allait au lait aux chiottes, je me dis... Ouais. Une petite animation sympa pour commencer cette série. Ça fait pas de mal, c'est même plutôt cool. Adieu Edward. Edward Rumsey, vous avez été jugé coupable d'un double homicide au premier degré. La sentence est la mort. Avez-vous quelque chose à dire ? Suzanne, je suis désolé. C'est sa femme, Suzanne. Voilà. Et c'est fini. Et voilà, nous en avons donc fini pour cette petite introduction. J'espère que ça vous a plu et que vous plairez dans cette série en tout cas. Moi, je suis vraiment content de pouvoir la refaire avec vous. J'espère que je n'aurai pas de bug comme la dernière fois. En tout cas, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, je recommencerai la série, je supprimerai les épisodes précédents qui n'avaient pas marché, tout simplement bah, parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que je les garde. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, en tout cas, déjà, merci d'avoir regardé ce premier épisode, enfin cette introduction, ce ne sera pas l'épisode 1, ce sera introduction. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que vous serez nombreux à suivre cette série. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et surtout commenter, c'est ce qui me fait le plus plaisir en tout cas. C'est là que je vois que vous prenez part toujours à la série. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes lives sur Take Your Time, et à regarder tous les autres lives sur Take Your Time bien entendu. Et je vous dis à la prochaine, allez ciao, bye bye, à plus tout le monde.